Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet, donc 2020. Ici, petite particularité, j'avais envie de commencer par les énergies de la pleine lune. Donc j'ai profité d'un petit temps de latence pour moi faire des choses de mon côté, des choses voilà, au niveau de mon travail parce que ma vie change et il a fallu que je me réajuste. Donc j'ai attendu un petit peu avant de faire les vidéos. Je commence donc maintenant par la pleine lune, pour aller vers la nouvelle lune suivante, du coup, ce qui permet de réajuster et poser des intentions. Ici, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle difficile qui approche, voilà. Et puis, la nouvelle lune en cancer, donc deux fois d'affilée, puisque le 22 juin, il y a eu la nouvelle lune dans le signe du cancer à 0 degré. Et puis là, elle revient donc dans le signe du cancer à 29 degrés. On vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Donc cette nouvelle lune en cancer revient deux fois, c'est une petite particularité, il fallait le savoir, mais voilà, on va voir ce que ça nous apporte de toute façon. Donc de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, voilà, c'est la petite subtilité à partir de maintenant. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Et puis vous avez en énergie générale le 8 de terre. Ici on va parler, alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop de brillance, croissance, manifestation, accomplissement, succès, abondance, richesse, appréciation. Donc succès, richesse et amour, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites des plans pour le futur, une période d'abondance s'ouvre à vous, confiance dans les résultats futurs, ne vous reposez pas sur vos lauriers, l'argent n'achète pas le bonheur, perdez votre mentalité de manque. Donc ça, c'est l'énergie principale, ce qui va me permettre la lecture de toutes les cartes. Et puis, vous avez donc la sélénite. Alors, elle est ici. Voilà, une sélénite pour vous accompagner ce mois-ci en lithothérapie avec l'énergie du pendu. Donc, je peux voir la situation d'une autre manière. Ici, la sélénite va vous aider justement à vous connecter à votre troisième œil, à capter les messages si jamais votre, voilà, votre intuition est un petit peu rouillée. Eh bien, aidez-vous de la sélénite, ça pourrait être pas mal pour justement débloquer une situation. Alors, si on a l'énergie du pendu, c'est tout simplement que on vous permet de voir les choses d'une autre manière, on vous permet de voir les choses, on va dire, sous un nouvel angle, et on vous demande d'ailleurs d'avoir confiance dans les résultats, même si la période vous paraît bloquée, on vous dit confiance dans les résultats futurs. On vous parle de faire des plans aussi, une période d'abondance qui s'ouvre. D'ailleurs, vous commencez avec l'as de coupe et vous finissez avec l'as d'épée. Entre-temps, vous avez quand même l'étoile, j'allais dire la princesse, non, la grande prêtresse. Donc ici, voilà, il y a quand même des lames majeures qui sont douces, qui indiquent que vous êtes tourné vers les autres, vous êtes tourné, on a le 3 de coupe, le 4 de bâton ici. Donc vous êtes tourné vers les autres, vous êtes tourné vers la famille, vers de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas. Donc on démarre la lecture intuitive, justement avec cette as de coupe. Et puis, petite particularité, vous avez donc cette papesse, cette grande prêtresse qui est renversée. Alors ici, moi je dirais qu'il y a une tendance peut-être à être un peu secret, un peu garder les choses vraiment pour soi, de ne pas partager. Et là, on vous demande où vous êtes dans une énergie d'ouverture vers les autres, d'ouverture vers de nouvelles émotions, d'ouverture vers de nouvelles choses. Mais c'est surtout au niveau du cœur, là. Ce que je ressens, c'est que, voilà, il y a de l'amitié, il y a peut-être que vous avez une période où vous manquiez de sens dans votre vie et du coup, vous aviez vraiment besoin de garder les choses, d'apprendre, de préserver un petit peu des secrets. Voilà, la papesse renversée, c'est ça chez vous. Enfin, c'est ça l'explication. Mais chez vous, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, attention, ne vous fermez pas trop. Vous avez aussi le 4 de denier, hein. Le 4 de denier qui parle de fermeture, qui parle de restriction, qui parle vraiment de garder un petit peu pour soi. Donc là, on vous demande tout simplement de vous régénérer, de purifier cette énergie et de vous ouvrir vers quelque chose qui soit plus significatif. On vous demande aussi de faire confiance en l'univers parce que, effectivement, en ayant confiance en l'univers, vous vous ouvrez à des vibrations positives et puis là, vous aurez
confiance dans les résultats futurs. Donc c'est pas j'aimerais bien, je souhaite que, mais vous allez vous dire je veux parce que j'ai confiance, parce que ça va se produire. D'une manière ou d'une autre, l'univers me donnera, me réalisera, on va dire, mes souhaits. Ici, vous l'avez, hein, vous l'avez, le 10 de coupe, oui, vous l'avez. Donc, ayez confiance en ça. Ce que vous voulez, et d'ailleurs, ça l'est en centrale, c'est justement comprendre, parce que là, on a la grande prêtresse à l'endroit, c'est comprendre les mystères de l'univers et du coup, atteindre l'apogée du bonheur, c'est-à-dire je me sens bien, je suis en harmonie. Donc là, avec l'as de coupe, on a quand même une ouverture. Moi, j'ai cette notion de donner et de recevoir, voilà, de vous ouvrir à une énergie qui peut-être vous dépasse parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais essayez, pourquoi pas. Ici, on vous dit que de toute façon, il y a une période, vous avez hein, le 10 de coupe, donc il y a une période de bonheur qui arrive pour vous. L'étoile, purification. Alors la purification dans son sens le plus énergétique possible, c'est-à-dire je me dépouille de tout ce qui ne me convient plus, je me dépouille de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et d'ailleurs, cette période est passée. Si vous avez l'étoile, c'est que justement la tempête est passée, la prise de conscience a été faite et du coup les ajustements ont été apportés. Peut-être qu'il y a encore des résidus de surprotection. Avec le 4 de denier, on est vraiment dans la surprotection. Ou bien, on vous dit, vos finances sont protégées. Alors, moi, c'est l'explication peut parler, mais c'est moi, ce que je ressens plutôt, c'est voilà, ce besoin de surprotéger, ça va être aussi avec les énergies, l'axe Capricorne-Cancer, hein, de toute façon. C'est-à-dire que avec cet axe-là, vous avez... on va dire dans l'idée, vraiment le cocon, le foyer, la protection, l'argent, les finances. Voilà, on ne veut pas être pris au dépourvu. Dans les énergies de la pleine lune en Capricorne, on n'a pas envie d'être pris au dépourvu. Donc on planifie, on travaille dur. Voilà, le Capricorne étant un travailleur, ici dans la pleine lune, ça va mettre en relief justement votre vie financière, peut-être au niveau de la famille, d'où cette énergie de 3 de coupe, c'est-à-dire je veux que les miens soient protégés. Mais ce que je ressens plus, c'est en termes énergétiques, c'est-à-dire qu'ici, vous avez envie de vous délester définitivement de cette tendance peut-être à être un peu surprotecteur ou alors avoir besoin de surprotection. Pour vous, les poissons, justement, après, on a encore la papesse. Là, ce que je vous disais avec l'as de coupe et l'étoile, c'est j'ai compris comment ça fonctionne. Ici, avec l'énergie du 8 de terre, on vous le dit, hein, faites des demandes à l'univers. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, une fois que j'ai compris ma voix intérieure avec la papesse, on va parler de voix intérieure, de comprendre... sans forcément être se répandre dans quelque chose de... voilà, c'est de la joie, mais quand même discrète. Vous n'avez pas besoin de crier sur les toits. Mais ici, voilà, vous faites confiance en votre troisième œil. Je répète, hein, la sélénite, pour celles et ceux que ça intéresse, en lithothérapie. Donc ici, je fais confiance en ce que l'univers va m'apporter, dans les résultats futurs que je vais obtenir en faisant des demandes claires. Donc ici, 20 juillet, à partir de 19h, il me semble, la nouvelle lune aura lieu dans le signe du cancer. Et justement, voilà, vous pouvez demander, je veux le bonheur, je veux l'harmonie, je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux que mes proches soient heureux, heureuses. Donc voilà, ici... vous allez de toute façon faire des demandes claires. Et puis, j'ai l'impression que ce qui va vous arriver, cette compréhension aussi de ce qui va vous arriver, de ce qui est en train de vous arriver, va vous régénérer. Il y a vraiment, avec l'étoile et l'idée de coupe, l'idée que vous êtes... ça y est, vous atteignez le firmament, vous atteignez le sommet, vous atteignez, vous brillez par vous-même en fait, comme une étoile finalement. Avec le 4 de bâton, vous avez le 7 de coupe. Alors... ici, peut-être que, voilà, quand on a le 4 de pentacle, le 7 de coupe, c'est peut-être une tendance à imaginer des choses et donc à se surprotéger. Ici, on vous dit d'avoir confiance dans l'énergie collective, c'est-à-dire qu'avec le 4 de bâton, on a quand même la notion de travail
en groupe. Ça peut aussi parler de volonté de fonder quelque chose, on va dire sur le plan de l'amour, ça va être de la stabilité, c'est-à-dire on travaille à deux, on travaille en couple. Il y a cette notion de tout le monde met la main à la pâte aussi dans la vie familiale, dans la maisonnée. Ici, voilà, le 7 de coupe parle de bien entendre son intuition. Donc pour distinguer l'intuition de l'imagination, eh bien, l'imagination où va être plutôt, quand vous vous dites, voilà, j'imagine que cette personne ne m'aime pas parce qu'elle m'a regardé froidement, par exemple. Eh bien, ici, est-ce que c'est votre intuition ou bien est-ce que c'est votre imagination? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est votre imagination parce que vous avez certainement, c'est comme un appel à vos blessures antérieures, c'est-à-dire, voilà, quelque chose du passé ou de l'enfance, quelque chose qui se réveille et donc vous projetez ça sur l'autre, vous projetez ça sur vous-même. Par contre, si sans aucun, voilà, tout va bien et vous vous dites, tiens, j'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas, eh bien là, vous êtes dans l'intuition. Bon, vous me direz en commentaire la nuance, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu hein, sur Internet, différence entre imagination et intuition, parce que forcément, des fois, on se met un masque aussi en imaginant, parce que ça fait appel à nos craintes. Donc si ça fait appel à vos craintes, dites-vous, rangez-le dans la case, ça n'est pas mon intuition, c'est mon vécu, c'est mon expérience, ce sont mes peurs d'enfant, voilà, qui s'expriment ici. Vous êtes bien dans une énergie collective, il y a bien quelque chose qui se prépare aussi au niveau du couple, au niveau de la maison. Donc, n'ayez crainte, enlevez ce 7 de coupe. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite poser, même si j'ai la force et le cavalier de bâton, avec le roi de bâton aussi en dos de deck. Hein. Ici, on ne le voit pas, il est hors caméra. Mais on va poser une carte quand même. Je vais prendre le Rider-Waite qui... Ouh, ah oui, il est là. Bon, pour essayer d'en savoir plus sur ce 7 de coupe, donc pour les poissons, mois de juillet. Alors, on avait le mât, et ici on a quoi? On a la justice. Ok. Alors, la justice, elle parle de rééquilibrer, c'est-à-dire que karmiquement, vous êtes en train aussi de purifier. On a l'étoile, on a la papesse qui est tombée deux fois. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose sur le plan karmique. Avec la justice, on a ce besoin de réparation, de stabilité aussi, puisqu'elle équilibre. Donc là, vous êtes en train justement de restabiliser avec le 4, hein, on est dans la stabilité ici, de restabiliser votre vie et justement peut-être guérir cette notion de supposition. Je ne fais plus de supposition. Donc on va parler d'un accord Toltec. Ici, je ne suis plus dans les suppositions. Je suis dans la réparation justement de cette tendance à supposer. Alors, c'est pas grave, on le fait tous, hein, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin en regardant du côté des accords Toltec. Voilà, donc je vous donne une petite piste de travail si toutefois ça vous parle. Et puis, justement, là, on vient avec, vous venez plutôt, avec l'as d'épée, pardon, l'as d'épée, la force et le cavalier de bâton. Donc l'as d'épée, il parle de clarté d'esprit, c'est-à-dire qu'ici, les dédales de votre imagination sont, on va dire, clarifiés, vous n'êtes plus dans les projections, vous êtes dans un mental clair, limpide, vous savez ce que vous voulez, vous visualisez où vous voulez aller, et du coup, avec la force, eh bien, c'est tout simplement l'expérience, ça va être la sincérité vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire, je reconnais que j'ai une tendance à, et du coup, je prends les mesures nécessaires pour guérir cette tendance à. Là, on parlera de supposition, de surprotection. Avec la force, on parle de résilience, c'est-à-dire j'ai appris de ces expériences douloureuses. La douleur est derrière vous. Ici, avec l'étoile, c'est ce que je vous disais. Avant l'étoile, on a quoi? On a le diable et on a la maison Dieu. Donc, avec le diable et maison Dieu, on est dans quelque chose qui vient de se produire ou qui s'est produit, on va dire, qui a laissé des stigmates, comme un orage hein, qui vient un petit peu tout chamboulé, pardon, mais une fois que l'orage est terminé, eh bien l'air est purifié, on se sent plus vivifié aussi parce que voilà, il fait toujours un petit peu plus frais après un orage d'été, vous aurez remarqué. Donc ici, voilà, c'est l'expérience que vous allez glaner justement à travers ces expériences-là, ce que la pleine lune va mettre en relief, et eh bien ici, avec la nouvelle lune, vous allez vous dire, je veux un esprit clair, je veux un mental clair, je veux visualiser mon futur, visualiser hein, succès, richesse, amour, et ici, vous allez vous mettre en marche. Avec la force et le cavalier de bâton, vous êtes
dans l'action. Vous êtes dans l'action, c'est-à-dire je réagis, j'ai envie et je bouge. Je fais en sorte que les choses bougent. Ici, vous êtes tourné vers la famille, certes, mais aussi j'ai un projet et j'irai jusqu'au bout. Du cavalier, on va dire du valet de bâton jusqu'au roi de bâton, vous êtes motivé. Vous allez aller jusqu'au bout, vous allez partager avec les autres, vous allez faire en sorte que les autres aussi, mais il y a toute cette... C'est comme si vous construisiez une maison à plusieurs, voilà. Donc vous êtes là, vous avez cette énergie, on peut compter sur vous. Donc on va voir ce que ça nous dit au niveau des blessures, du nettoyage des mémoires cellulaires. Donc je ramasse tout ça. Alors, j'en profite pour vous dire que vous aurez remarqué des petites nouveautés. Ici, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je fais quand même le mélange des cartes. Donc voilà, si ça vous intéresse, parce que forcément, quand je commence la vidéo, c'est pour gagner un petit peu de temps, mais je poste tout à la fin, en accéléré. Allez, on va voir pour vous les poissons au niveau de la libération des mémoires cellulaires, du nettoyage que ça implique. Avec l'oracle dans le cas de Stéphanie Abellan. Alors, vie antérieure. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, qui se manifeste au niveau du chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder. Non droit au bonheur et difficulté à s'affirmer. Et comment on nettoie tout ça? Donc c'est pour ce mois-ci, hein, c'est-à-dire ce que la pleine lune et la nouvelle lune vont mettre en lumière. Et du coup, ce que vous pouvez poser aussi comme intention. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram où je poste des petits tirages. Et puis sur Facebook, des articles, des choses qui me paraissent très intéressantes à relayer pour votre connaissance, pour les énergies, les planètes, etc. Allez, besoin d'ancrage pour vous les poissons. Dans les vies antérieures, alors on va aller chercher au niveau des soins quantiques ici pour... voir un petit peu ce qui se présente à vous, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu vivre dans mes vies antérieures qui a fait que maintenant je ne m'autorise pas à être heureux et j'ai du mal à m'affirmer. Ici, on va pouvoir se servir aussi de la méditation, balade en forêt. N'hésitez pas à écouter justement, la sélénite va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Par la méditation, vous allez essayer de trouver une solution, c'est-à-dire demander à votre subconscient de vous apporter des messages. Donc dans les vies antérieures, on vous dit que vous revivez des émotions qui sont reliées à celle-ci. Donc vous n'avez pas forcément d'où ça vient, mais ça peut être une séparation douloureuse, une mort difficile, un autre traumatisme. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être exprimé aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc ici, quelque chose s'est réveillé. Là, vous êtes plutôt dans une forme de restriction, d'où le 4 aussi de denier, c'est-à-dire je ne m'autorise pas, je surprotège, je me surprotège et du coup, je ne m'ouvre pas. Et puis ici, difficulté à s'affirmer. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, difficulté à s'affirmer. Vous n'arrivez pas à vous affirmer, cela provient d'une peur d'exister, d'affirmer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être tout simplement et à dire « je suis, j'ai des valeurs, je veux ». Donc peut-être que vous avez du mal aussi à vous affirmer en termes de « je veux », peut-être que ça vous paraît trop vaniteux, peut-être que ça vous paraît trop extrême de demander à l'univers sans passer par... Alors vous pouvez dire « je veux » s'il vous plaît, hein, ça ne vous empêche pas d'être poli, mais ici, voilà, une demande claire, nette, précise, c'est toujours mieux que « j'aimerais bien sur un coup de chance, sur un malentendu, on verra bien si ça fonctionne ». Ici, affirmez-vous, vraiment travaillez là-dessus, affirmation positive aussi, tous les matins, je suis beau, je suis belle, j'en vaux la peine, voilà, vous avez des méditations aussi pendant 15 minutes, ou même un peu plus, hein, si vous avez envie, mais ça peut être un mantra à se faire tous les matins, 15 minutes d'affirmation positive pour bien démarrer la journée. Avec l'ancrage, on va parler, eh bien, je vais aller voir ce que ça nous dit. Bon, pour moi, c'est balade en forêt, balade dans la nature. Alors,
Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, déprogrammez-vous. Programmation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Donc je vous montre le livret. Alors le temps. Hop. Donc voilà, c'est celui-ci, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc c'est la base hein, de toute façon. Si ça vient de là-haut, c'est-à-dire de la tête, commencez toujours par celui-là. C'est un conseil que je vous donne parce que si vous commencez par d'autres, mais que vous avez tendance à avoir des pensées négatives, elles viendront vous réembrouiller, elles viendront saccager un petit peu le travail que vous êtes en train de faire. Donc quand on essaye d'aller mieux, c'est toujours mieux de commencer par nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau, puisque tout part du cerveau. Hein. Et puis il y a quand même deux chakras, chakra coronal, chakra du troisième œil. Donc il vaut mieux commencer par là, sait-on jamais. Allez, on va passer au sentimental pour vous les poissons. Alors, on va prendre, la triade. Alors, je ne prends pas, parce qu'en guidance, hein, bien sûr, j'ai pas fait de vidéo, mais je ne suis pas restée inactive pour autant. En guidance, l'oracle des miroirs avait tendance un petit peu à fatiguer, donc il est en train de se reposer sur une fleur de vie. Silence, donc pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, celle-ci a voulu sauter. Hein. Hop, réussite. On a la papesse, on a aussi la notion du 4 de bâton, du 10 de coupe. Tentation, alors tentation. Peut-être tentation d'en parler. On va aller voir. Alors là, on a armes, Oméga et frère qui sont tombés. Et on va en prendre une dernière, parce que j'aime bien en 7, sinon en 3 ou en 5. Il y a le retour là. Mutation. Ok, vous voyez tout, c'est parfait. Et on a encore la prière. Hein. Tout à l'heure, elle était en dos de deck. Alors ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir rester peut-être un petit peu sur votre réserve, c'est-à-dire que avec la réussite et le silence, on vous préconise, enfin moi c'est ce que je ressens, de rester un petit peu silencieux par rapport à vos projets. Pour l'instant, gardez-les pour vous, aidez-vous néanmoins des énergies collectives, hein, de votre famille, de vos amis, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a... Voilà, des choses qui peuvent ressortir, c'est-à-dire tentation et armes. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir, comment dire, des réflexes d'autodéfense, des réflexes tentation avec armes. Moi, je dirais que c'est vraiment, comment dire, j'ai envie de lui rentrer dedans. Voilà, ça ressort, je ne sais pas pourquoi. Imaginons, vous avez parlé d'un projet à quelqu'un qui vous dit « oui, mais t'es sûr que… » Et là, vous avez envie de lui rentrer dans l'art. Ici... On vous dit, vous êtes presque arrivé au bout. Hein. Là, vous êtes, oui, à une fin de cycle. Vous allez aussi changer les choses. Vous avez une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui va s'avérer très importante pour vous. Et les choses sont sur le point de changer. Donc, on a Oméga, frère, mutation. Ici, vous êtes en train de changer les énergies. Donc, peut-être que pour l'instant, ça vous paraît lourd. Vous avez envie de vous mettre en colère. Bon, bien sûr, si la colère est là, n'allez pas la refouler non plus. Mais faites-la dévier. Pardon, vers quelque chose de plus utile, c'est-à-dire je vais faire de la méditation, je vais en forêt me balader, sinon je vais écrire une lettre, je vais, voilà, essayer de détourner cette colère. Cette colère, si elle sort, hein, l'arme, pour moi, c'est une carte qui indique, alors c'est pas de la violence, mais c'est quand même de l'agressivité. Excusez-moi, je suis en train de bouger et de faire bouger le trépied. Alors du coup, si ça ressort, écoutez-la. Écoutez, parce qu'elle existe, elle sort, elle s'exprime. Du coup,
Voilà, vous aurez, on va dire, une réussite. Les choses vont changer, vous êtes tourné vers cette réussite. Donc pour l'instant, ne confiez pas peut-être à certaines personnes, restez dans le silence, dans la discrétion, comme un peu la papesse, sur vos projets. Parce que vous pourriez avoir ça qui ressort, hein, c'est-à-dire cette impulsivité, cette colère qui peut ressortir. Et ici, on vous dit non, vous y êtes presque là, cette fin de cycle. Donc continuez par la prière. Derrière, vous avez quand même la lumière et la richesse. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, succès, richesse et amour? Ben écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Allez-y, croyez-y, parce que c'est sur le point de se produire. Allez, on va voir au niveau de l'oracle G si on a des messages complémentaires. Alors, hop, hop. Pour les poissons, mois de juillet, s'il vous plaît. Pour les poissons, mois de juillet. Alors, celle-ci, elle a voulu sauter. Enfin, elle a sauté. Alors, on a un homme. Ah, il y a des doutes par rapport à quelqu'un aussi, hein. Ici, il y a un nouvel homme. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certaines personnes dans votre vie, ou bien ça peut représenter un patron, un ami, un frère. Mais ici, quelqu'un du sexe masculin qui peut-être est en train de montrer aussi des signaux, on va dire, soit voilà, vous avez des doutes par rapport à cette personne, soit peut-être que cette personne est hésitante et elle est en train de lâcher prise aussi, de guérir sur certaines choses. Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que pour l'instant c'est un petit peu flou. Donc d'où cette notion de des choses qui ressortent. Ici encore une fois, une notion de prière avec la bougie. On vous dit de garder espoir, les choses peut-être brûlent lentement, mais c'est pas passionnel, c'est quelque chose de plutôt sécure et de stable. Quand on a la bougie, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer aussi, qui sont en train de s'éclairer. Doucement mais sûrement, vous allez avoir la compréhension des choses. Allez, on va passer, tiens, bah derrière on a encore la lumière, hein, donc le message est le même. On va aller voir ce que veut cet homme. C'est peut-être un ami qui vous conseille de lâcher prise par rapport à des doutes que vous avez aussi et qui vous conseille de garder espoir, hein, pourquoi pas. Bah tiens, la lumière. Donc ici, il y a l'abondance avec cette personne. Après une période de disette, hein, après une période désertique, après une période où ça n'a rien donné. Donc on vous dit de garder confiance parce que les choses vont changer malgré vos doutes. Vous allez avoir un changement. Effectivement, tout à l'heure, on avait la mutation avec la triade. Donc lâchez prise par rapport à vos doutes, gardez espoir. Ici, les choses vont se mettre en lumière. Si ce n'est pas dans le sentimental, ça peut être dans le relationnel, hein, donc vous transposez forcément à votre situation. Voilà, ici, peut-être attendre un cycle, une période de 3 mois, ou peut-être que de l'automne jusqu'à l'hiver, voilà, les choses vont changer tranquillement. Donc on vous demande encore un peu de patience. Là, vous avez quand même les deux coupes, hein, donc ça parle de joie, ça parle de signature, ça parle de contrat. Ça parle aussi, peut-être que cette personne ne se déclare pas encore à vous, mais elle va le faire. En tout cas, vous aurez envie de célébrer à deux quelque chose de très important pour vous. Alors, on va voir avec les doutes ce que ça nous dit. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Alors, on a la lune. Elle est tombée à l'envers, mais comme elle n'a pas d'autres numéros, hein, ici, 21. Et là, il n'y a pas d'autre numéro. À l'envers, à l'endroit, c'est la même signification. Donc, ici, oui, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une révélation, une mise en lumière. En tout cas, quelqu'un va se décider à parler. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. On vous dit de garder espoir, de garder la maturité par rapport aux choses. C'est-à-dire, voilà, ici, vous êtes protégé. Il y a avec la bougie et la vieille dame une notion de protection. Peut-être un conseil que vous allez recevoir d'une personne plus âgé. Ici, vous avez eu tendance peut-être à vous méfier de quelqu'un. Vous allez réaliser que vous devez vous méfier de quelqu'un suite au conseil bienveillant d'une personne dans votre entourage. Et du coup, vous allez mettre en lumière certaines choses. Moi, j'ai l'impression que c'est vos doutes qui sont levés par rapport à une situation. On va aller voir. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour compléter. Donc, petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Printemps. Donc là, on a toutes les saisons, hein, j'ai envie de vous dire, printemps, automne, hiver.
Donc, toute l'été et on y est. Donc, les choses sont en train d'évoluer. On vous dit, laissez le cycle naturel. C'est-à-dire, avec le printemps, il y a aussi la notion de régénération. Quand je vous disais, il y a les quatre saisons, bah voilà, on y est. Donc, régénération, évolution sur l'été et concrétisation des choses, levée des doutes en automne et confirmation en hiver. Ça peut être ça aussi, la déclinaison. Moi, j'ai plus l'impression qu'on vous parle de lâcher prise. Voilà, on vous dit de garder espoir. Là, on a quoi? Alors, on a trop de femmes, nature, femme. On a trop de cartes, pardon, on n'a pas trop de femmes. Nature, femme, âme, sœur, espoir. Gardez espoir parce que ici, rapprochez-vous de la nature. Faites autre chose, je veux dire. Si vous avez voilà, une période difficile, on vous dit de dévier justement les choses. Dévier votre colère. Écoutez-la, elle s'exprime. Nettoyez. Et puis, voilà, lâchez prise sur le résultat. Le résultat arrivera à partir du moment où vous visualisez correctement les choses. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour aller avec la lune et les doutes. Voilà, femme. Donc, on vous parle d'intuition ici, d'harmonie. Alors, on a l'harmonie, mais c'est surtout que vous allez connaître l'harmonie. Depuis le printemps, vous êtes en train d'évoluer et vous évoluez vers justement le détachement, le lâcher prise. Peut-être geler une situation qui ne vous convient plus. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un dégel de situation puisqu'on a le soleil qui vient éclairer quand même la neige. Et avec la lune, on a cette mise en lumière, cette révélation. C'est peut-être sur le mois en cours, hein, mais en tout cas, voilà, on vous dit de garder espoir, l'harmonie est proche, vous allez connaître le bonheur, ça c'est sûr, mais il va falloir un petit peu de patience, de lâcher prise, bien sûr, appliquez les conseils qu'on vous donne aussi, écoutez vos amis qui vous donnent des conseils, ou bien les guidances que vous regardez, voilà, si le message vous parle, écoutez bien, parce que derrière, voilà, vous aurez peut-être tendance à... vous surprotégez parce que vous imaginez trop de choses négatives alors que si ça se trouve pas du tout. Donc vous avez des doutes mais les choses vont revenir à la normale. Allez, on va voir. Je vais prendre l'oracle lumière, le petit le normand pour compléter. Alors avec le normand justement, hop. Bon, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ici, le cercueil. Donc c'est la fin de quelque chose. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la fin de quelque chose. On a le cavalier qui arrive aussi. Donc fin de quelque chose avec le cercueil, la fin d'une situation et l'arrivée. Voilà, on a du mouvement, on a des messages qui arrivent. Donc ici, gardez confiance. Les choses ont bougé. Mais pour qu'elles bougent dans le sens que vous souhaitez, eh bien il va falloir tout simplement mettre fin aussi à un cycle. Donc c'est normal. Alors ici, on a les rats. On a les cœurs et on a la lettre. Donc là, je dirais avec les souris, on va parler de se sentir diminué. C'est-à-dire que vos doutes sont en train de vous ronger. Donc ici, ayez confiance, vous avez des messages. Vous avez, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez en face de vous, donc que vous soyez célibataire ou en couple, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ou peut-être que vous n'osez pas parler parce que cette personne a tendance à garder les choses pour elle. Et du coup, ça vous bouffe, ça vous ronge, ça vous grignote le cerveau. Mais avec les cœurs, on a quand même l'idée d'harmonie, encore l'idée d'harmonie, d'épanouissement. Et puis avec la lettre, alors je les prends comme ça parce qu'elles étaient tombées comme ça, donc avec la lettre, une déclaration, des messages, encore une fois, un document écrit, voilà, quelque chose qui va arriver, qui va vous... vous régénérer. Mais pour l'instant, peut-être aussi que cette personne arrive, mais qu'elle a des choses à régler. Donc pour l'instant, elle ne s'exprime pas, ou bien vous ne la connaissez encore pas encore. Mais ici, voilà, restez confiant. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue, on vous dit hein, quand même de travailler là-dessus, c'est-à-dire arrêtez de projeter, arrêtez d'avoir des craintes, visualisez quelque chose de clair, limpide, et vous verrez que l'amour va arriver, eh bien, au triple galop. Pourquoi pas, mais en tout cas... Voilà, vous ne resterez pas non plus seul ad vitam aeternam, mais il va falloir visualiser plutôt la réussite que vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, on a mariage, union.
C'est peut-être aussi quelqu'un, alors réconciliation ou rencontre, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en train, qui ne parle pas parce que pour l'instant elle est en train de clôturer aussi, on va dire, voilà, peut-être qu'elle divorce, hein, tout simplement, donc elle a entre guillemets d'autres chats à fouetter. Et du coup, voilà, vous avez des doutes, vous êtes peut-être impatient, vous mettez à vraiment à cogiter, à tergiverser parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On va aller voir ce que ça nous dit, hein, ou peut-être que cette personne projette aussi une union. Là, on a l'hiver, donc sur l'hiver, et on vous parle de chance, hein, donc quand même, restez patient, visualisez la chance arriver. Et ici, on a quoi? La rapidité. Voilà, c'est ce que je vous disais au quatrième galop, au quatrième vitesse. Voilà, donc quelqu'un peut-être de jeune ou alors une jeunesse, on parle de réconciliation, peut-être fin d'un mariage, fin d'une union. Voilà, c'est pour ça que la personne n'est pas encore arrivée ou tarde à venir. Mais après ça, on vous parle de rapidité. Donc visualisez vraiment les choses que vous souhaitez obtenir et puis lâchez prise complètement, c'est-à-dire voilà, j'ai fait ma demande. Je m'en occupe plus et le reste va arriver quand ça arrivera. Voilà. On va aller voir maintenant. On va prendre l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, nouvelle jeunesse aussi au niveau du couple. Hein. Ça peut être fin des conflits et nouvelle jeunesse au niveau du couple. Hein. Il n'y a pas que des fins, des ruptures, des divorces. Hein. Allez, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Donc ne tenez pas compte des cartes qui tombent, je vais tout simplement mélanger, couper et les étaler. Donc un message à la coupe, s'il vous plaît, bague, cadeau. Allez, pour les poissons. Ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par synchronicité. Tu n'es pas prêt. Alors ici, j'ai l'impression que vous prenez conscience aussi. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, c'est un peu abrupt, hein, j'en suis désolée. Mais j'ai l'impression ici que, justement, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes peut-être avec quelqu'un et vous sentez que c'est pas tout à fait ça. En tout cas, si c'est le cas, voilà, on vous dit, les choses sont en train de se synchroniser. Voilà, il y a des synchronicités. Et vous prenez conscience que il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas... Alors, bien sûr... Attention, hein, ce n'est pas ton âme sœur, ça veut dire que vous n'êtes pas destinés l'un à l'autre. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que ce n'est pas votre âme sœur et tout simplement vos réticences ont lieu d'être. Vous sentez bien que, voilà, là on a une autre personne perturbe la relation, ce qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Donc peut-être que, voilà, vous vous rendez compte aussi des fourberies de quelqu'un, vous aviez des doutes et ces doutes vont s'avérer vrais. Et justement, les choses sont en train de s'aligner. Vous aviez la justice tout à l'heure qui était avec le 7 de coupe. Donc, imaginaire, intuition, faire la différence. Ici, pour moi, vous allez y voir clair. Et justement, prenez-le comme un cadeau, dans le sens, vous aviez bac cadeau, dans le sens où ça vous prépare à mieux. Ça vous laisse la place à quelque chose de bien mieux pour vous. Allez, une dernière ligne. On va aller voir l'oracle, les anges de l'amour. Adieu la routine. Donc les choses vont bouger ici. Encore une fois, une notion de bague cadeau. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que justement, cette prise de conscience qu'une personne dans votre entourage, et que ce soit familial, amical, sentimental, professionnel, c'est pour laisser la place à beaucoup mieux. Donc ayez confiance dans ce que prépare l'univers parce que justement, ça va vous permettre de faire un grand tri énergétique. Allez, une petite carte avec l'oracle, le tarot de l'amour. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. J'oublie le nom. Hein. Les anges de l'amour, voilà. Allez, pour les poissons, ascendant poisson et ou lune en poisson. Donc, si vous êtes les trois, vous... Enfin, voilà. Sinon, vous irez compléter avec vos autres signes hein, dans votre thème natal. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, voilà, visualisez la chance, l'amour, le succès, la réussite. Vous êtes digne d'être aimé.
Ok, donc si vous n'êtes pas prêt, c'est tout simplement parce que vous sentez bien que cette personne n'est pas sincère avec vous, elle n'est pas honnête, et du coup, voilà, toutes les choses se synchronisent pour que justement il y ait réparation, pour que justement il y ait nettoyage. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, une carte conseil. Alors, on va prendre ici. La sagesse de l'oracle. Alors, pour les poissons, entre les mondes. Donc, effectivement, vous êtes dans une forme d'entre-deux, c'est-à-dire vous n'avez pas complètement un pied. Comment dire? Un pied devant, enfin un pied derrière, vous avez encore un pied derrière, vous avez un pied devant. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit blanc, ça arrive. Donc transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon. Donc message de cet oracle. Entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre les hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. C'est pile poil tout le résumé de ce que je vous ai dit auparavant. Donc, en ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant. Donc l'ancrage, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté de pouvoir à libérer un mystère que vous ne comprenez pas, tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçu. Allez, un petit message des anges pour terminer. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, je suis désolée, j'ai beaucoup beaucoup de choses sur ma table, du coup j'ai du mal à accéder aux cartes. Bon voilà. Hop, alors ici on a trop de cartes qui sont tombées. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Poisson, ascendant poisson. Alors là, c'est ce qu'on appelle une cagade en direct. Alors, on a l'ego, tiens, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc ici, voilà, c'est votre ego qui s'exprime. Si c'est le cas, voilà, tout simplement, allez vous balader, soufflez un bon coup, histoire de pouvoir vous replacer dans une énergie, justement, on a l'huit de feu, de vous replacer dans une énergie positive, dans une énergie où vous allez visualiser, bouger, agir. Alors, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Peut-être que justement, ces choses qui se produisent vous font peur. On va aller voir ce que nous disent les portes de l'âme et les portes de l'intuition. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Inaction. Ah oui, on a quand même. Contrôle et allègement. Bon, on va s'alléger de tout ça. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Cessez de tout contrôler et alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Donc, visualisation, allègement, arrêtez de vouloir contrôler. Ici, ça vous place justement dans une énergie d'inaction où vous avez peur d'agir parce que vous ne savez pas ce qui va se produire. Et du coup, vous cherchez à tout contrôler, à tout restreindre, peut-être à vous surprotéger, ce qui vous rend peut-être un tantinet agressif, agressif, hein, bien sûr. Et du coup, ici, on vous dit de vous alléger. Alors, j'essaie d'accéder à l'aspertas de l'intuition. Allez, pour les poissons, une carte, s'il vous plaît. Hop, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, voilà,
Énergie, gratitude, positivité. Là, on a quoi? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Ici, n'écoutez plus vos peurs. N'écoutez plus vos peurs, écoutez votre cœur. Allez, message de l'âme. Hop, hop, hop. Allez, celle-ci a voulu sortir. Transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Très jolie carte. Alors, je vais finir par un tout petit message des anges. Archange Raphaël, bah tiens. Ici, sans ma lumière d'émeraude de t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Bah, franchement, je vais vite parce que j'ai l'impression que les messages sont les mêmes, hein, de carte en carte, ça sert à rien d'en tirer un million. Le message est très clair. Allez, on termine. Donc, un message pour les célibataires. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et un message pour les couples. Hop, il est tombé tout de suite. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà mes très chers, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Je vous laisse avec le petit message de la fin. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!